Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog, probablement du week-end. J'ai envie de vous prendre puisque j'ai reçu un colis pour des décos, pour changer un petit peu ma coiffeuse, pièce make-up, tout ça. Donc dans ce vlog-là, ça va beaucoup être ça. Changement de ma pièce make-up, de ma coiffeuse, réorganisation, peut-être un petit peu de tri, tout ça. Donc aujourd'hui, on est le samedi, j'ai même pas de luminosité sur mon portable, je vois rien, le samedi 26 septembre et il est 10h30. Hier soir, j'ai organisé la soirée, la soirée anniversaire surprise de Benoît, donc il y a un petit peu de bazar partout, je suis trop fatiguée, on a été se coucher vers 3h, en soi ça va, mais du coup j'arrivais pas à dormir, j'ai galéré toute la nuit. Et je récupère plus comme avant alors que je suis toute jeune encore, donc c'est problématique. Mais je vais déjà commencer du coup ce matin par tout ranger. Après, là j'ai répondu à mes DM ce matin dans le lit puisque j'avais pas mal de retard. Là faut que je réponde encore aux commentaires YouTube puisqu'en plus j'ai une vidéo qui est sortie hier soir. Donc première étape, je vais ranger. Après je répondrai à mes mails et à mes DM et je vous prendrai pour vous montrer... Mia, viens là. Pour vous montrer tout ce qui est colis du coup pour ma pièce make-up. C'est bon, j'ai remis en ordre tout l'appartement, il est 11h30 il me semble, et j'ai mon amie Gertrude qui est quelque part dans le coin, qui est en train de se charger du nettoyage de l'appartement. Comment vous dire, ça je vous l'ai montré, je l'ai reçu dans le précédent vlog, c'est vraiment un gain de temps énorme, c'est juste génial. Ne me demandez pas pourquoi je l'ai appelée Gertrude, je n'en ai pas la moindre idée. Donc maintenant que ça c'est fait, je vais pouvoir passer à l'étape des mails. Je vous retrouve, il est pratiquement 14h, on a mangé entre temps, j'ai enfin fini toute la partie mail. Et du coup je voulais vous faire rapidement avant de passer au colis qui est juste là de ce que j'ai reçu pour ma coiffeuse, vous faire un retour sur le robot que je vous ai présenté, donc Gertrude, lors du vlog précédent, qui est le Dream Robot F9. De la marque Dream du coup. Je voulais vous faire un retour après quelques utilisations puisque je vous l'ai présenté là, la semaine dernière, mais du coup là j'ai un peu plus l'habitude de l'utiliser et sincèrement c'est vraiment pas mal du tout. Je le mets en fait maintenant souvent quand soit je commence à ranger, soit quand je veux prendre ma douche ou autre, je mets le mode aspirateur et je le mets assez fréquemment parce que ça devient très vite sale, mais on garde nos chaussures la plupart du temps, on a deux chats, tout ça, donc je mets un coup et en fait quand je reviens quoi, en même pas 20 minutes, l'appartement il est totalement aspiré, donc ça c'est top. Le nettoyage, je le fais un peu plus rarement, je le fais peut-être deux fois par semaine, une fois, ça dépend vraiment de comment ça évolue. Mais c'est vraiment pas mal, je suis vraiment vraiment satisfaite du produit. Donc, comme dans le précédent vlog, je vous aurais remis le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. En tout cas, là après plusieurs temps de test, franchement je valide. C'est vraiment pratique, les différents modes, il se règle aussi tout seul. Par exemple quand il passe sur les tapis, il se met un peu plus fort pour pouvoir mieux aspirer selon les tapis que c'est. On peut mettre un mode silencieux, enfin franchement c'est vraiment très très bien fait je trouve. Donc voilà pour ce retour, vous étiez plusieurs à me demander sur YouTube et sur Instagram, donc comme ça c'est fait. On va donc passer au colis que j'ai reçu. Alors, je l'ai même pas ouvert, franchement j'ai fait preuve d'une patience incroyable, je vous ai attendu. Alors, j'ai commandé en fait plusieurs articles de rangement, de déco pour mettre sur ma coiffeuse. En tout j'en ai 10 articles en tout, donc je vais vous montrer ça. J'aimerais bien, il n'y a pas sur la facture là les prix, je vais retourner sur le site pour vous dire les prix en même temps que je vous montre les produits. Du coup je ne sais même plus si je vous l'ai dit en début de vidéo il me semble, mais je suis pas sûre, c'est une commande Yes Style. La marque m'a donc proposé, pour une fois j'ai pas fait les vêtements en fait, vous le savez on est en collaboration assez régulière pour que je reçoive des vêtements, ils me donnent un code en fait pour recevoir des vêtements gratuitement pour un montant qu'on a défini. Et cette fois-ci j'ai voulu changer parce que ça fait quand même plusieurs fois que vous voyez des vêtements, donc j'avais envie vraiment de montrer aussi ce qu'on pouvait trouver d'autre, et comme j'avais envie de changer un petit peu ma coiffeuse tout ça, j'en ai profité. Donc premier article, on a ici une boîte comme ceci en plexi,
c'est pas du verre en plexi, qui a tous les détails dorés, une petite poignée ici en diams en fait, qui s'ouvre comme ceci et avec plusieurs compartiments. Pour le prix, je vous mettrai les liens des articles en barre d'infos pour que vous puissiez les retrouver plus facilement, parce que sinon comme ça sur YSL c'est impossible de retrouver. Cette boîte-ci était à 35,10€. Pour le coup, c'est quand même assez mastoc, hein. On sent le poids, c'est pas de la gnognotte. Donc ça, franchement, je trouve ça super joli. Donc ensuite, on a ici un pot que j'avais commandé qui est cassé. Je viens de voir ça. C'est les risques de toute façon, parce que là, il y avait du papier bulle autour. Et je pense que c'est les risques, ouais. Il a été fêlé en fait, juste ici. Je pense que vous pouvez voir tout là. Donc c'est dommage, peut-être protéger plus, je sais pas, c'est pas super bien emballé non plus. Donc, que je vous dise au niveau du prix, parce qu'effectivement je sais que j'avais sélectionné celui-là au début, mais j'étais convaincue de pas l'avoir commandé là quand je l'ai vu, et effectivement je le trouve pas dans ma commande. On poursuit avec une petite coupelle, comme ça, plate, en 6 mm. Marbre qui est blanche et le marbre il est rose gold. Je trouve ça vraiment très joli. Celle-ci est au prix de 14,54€. Pour le coup, je la trouve vraiment jolie. Le fait que les détails ça soit pas doré mais rose gold, je trouve ça vraiment très joli. Donc, ça pour poser des trucs, je sais pas trop encore ce que je vais en faire. On va voir ça ensemble, mais pour le coup, c'est validé. Pour le coup, là on a des articles qui sont très bien emballés. Ça, je l'ai vraiment commandé, mais je ne pensais pas du tout que c'était cette taille-là. Il est immense, c'est très joli pour le coup, mais je pensais que c'était la taille d'un pot à crayon. Du coup vous voyez que c'est pas trop le cas, mais c'est super joli. Et pour le prix on est à 21,02€. Mais vous voyez, moi quand je le voyais comme ça, si ça focus dessus, voilà comment c'était sur la photo. Moi je pensais vraiment que c'était d'une taille de pot à crayon, bah du coup c'est beaucoup plus grand. Et pour le coup, comme je pensais que c'était quelque chose de plus petit, j'en ai commandé un deuxième, parce que je pensais que ça allait me faire deux pots, genre pour mes pinceaux, tout ça. Du coup, je vais réfléchir à ce que je vais en faire. Ah si, autant pour moi. Je viens de voir, c'est que je me suis trompée, je pense, dans l'image. C'était bien ça que j'avais commandé. C'est juste que j'ai dû me tromper dans la sélection du choix, en fait. Vous avez souvent une poche pour plusieurs produits. J'ai juste sélectionné le mauvais, je pense, mais c'est pas grave dans tous les cas. Là, ça va me servir. Autre petite chose, j'ai pris ce petit bidule, vous devez vous demander c'est quoi. C'est tout simplement pour poser le beauty blender, et c'est en forme de petit chat, là il y a des oreilles de chat. Vous posez votre beauty blender en fait au milieu, c'est pour éviter de salir soit la surface sur laquelle vous êtes ou autre. Et ça, c'était au prix de 4,01€. Donc pour un petit truc comme ça, ça va. Et on finit par deux choses qui ne sont pas en fait un petit peu dans le monde du make-up tout ça, mais j'avais quand même voulu prendre le premier. C'est ce petit sac Isocar. Je vous avais demandé plein de conseils sous une de mes vidéos, je ne sais plus laquelle, où je vous demandais des conseils pour les sacs Isocar pour en mettre en fait ma gamelle dedans. Et là du coup, en faisant un tour sur YesStyle, qui est un site aussi que vous m'avez dit, comme Shein ou autre, et bah j'ai trouvé ce petit sac là, qui est en fait largement suffisant pour la taille de ma gamelle et qui est en fait isotherme dedans. Et ce petit sac du coup est au prix de 5,63€. Pour finir, je me suis pris une pochette d'ordinateur comme ça pour mettre mon MacBook dedans. Je la trouve très jolie, elle est un rose, entre un rose pâle et un rose saumon. C'est vraiment très joli. Oui, les fermetures sont argentées, je vais éviter d'en faire une obsession. Bref, l'intérieur, oh là là, c'est beaucoup trop doux. C'est du velours, c'est vraiment super sympa. Et ici, on a une petite poche comme ça. Alors, je l'ai pris un peu plus grand que mon Mac pour que je puisse mettre un cahier en fait dedans, puisque là je suis dans l'optique que quand je vais aller à l'école de plus prendre mon sac, parce que je me sers que de mon ordi. Donc en fait j'y mettrai mon ordi et juste un autre, enfin un crayon en gros, et un calepin, et je prendrai juste mon ordi comme ça, ça sera bien plus pratique. Et ça, il est au prix de 15,35€, donc je trouve que ça va. En plus c'est quand même de la très très bonne qualité, et vu comment c'est beau à l'intérieur, ça va être super, ça va vraiment éviter les rayures, donc ça c'est top. Comme j'ai vraiment envie de changer pas mal de choses, je me tâte, je pense vraiment que je vais commencer par tout enlever. Vraiment tout, ce qu'il y a et sur ma coiffeuse et sur les colonnes, que je vais tout mettre par terre et que je vais remettre après pour pas en fait que je sois influencée par ce qu'il y a déjà. Vraiment que je reconstruise tout de zéro. Vous le voyez,
tout est vide. Ça fait très bien, très bizarre. Maintenant, je vais repartir d'une bonne base. Je vais même enlever ça. Et du coup, je vais aller chercher de quoi nettoyer ma coiffeuse avant de tout repositionner. C'est bon, ma coiffeuse est nettoyée. Alors, je réfléchissais là pendant que je faisais le vide sur ma coiffeuse. Ces deux pots-là, je les avais pris du coup pour mes pinceaux, pour en faire un gros pour le teint et un gros pour les yeux. Ce que je vais faire, c'est que je vais conserver cette idée. Je vais juste acheter, vous savez, les bits de décoration pour mettre dans les pots à pinceaux au fond. Comme ça va un petit peu les relever. Donc en attendant, je vais quand même les mettre dedans et je vais les acheter. Dès que je recevrai ça, je les mettrai. Je fais ça en premier tout simplement parce que c'est la seule idée vraiment définie que j'ai pour l'instant. Je pense les commander sur internet, les petites billes dont je vous parlais, parce que je suis pas sûre de pouvoir en trouver en magasin. Je viens faire celui pour le teint et c'est ce que je vous dis là, ils font assez en fait étriqués parce que vous voyez là, les embouts sont plus fins donc ça fait plus gros là. Mais en fait, s'il y avait des billes, je pense jusqu'à ce niveau là, ça serait beaucoup mieux. Du coup, je pense que je vais quand même conserver cette idée-là jusqu'à les recevoir et je verrai au pire ce serait pas après. Donc voilà, pour les yeux, c'est vraiment pareil. En les relevant, je pense que ça fera super bien. Je continue par la deuxième chose dont je sais quoi faire, c'est ce pot à trois compartiments. Je vais mettre, je pense, mes trois parfums Adopt, coton et coton-tige. D'ailleurs, je vais bientôt recevoir mes cotons, vous le savez, je me démaquille constamment avec mes cotons Dermalia. Donc ça, ok, c'est des disques démaquillants, mais j'avais pas en fait de coton réutilisable où on pouvait mettre du produit dessus, soit de l'eau micellaire, soit du toner, soit peu importe. Moi, c'est des cotons qui démaquillent, mais pas des cotons où on peut mettre du produit dessus pour utiliser sur son visage. Donc je m'en suis enfin commandée et donc bientôt, ça n'existera plus non plus et ça sera totalement remplacé. En attendant, je vais mettre ça là-bas et puis de toute façon, après, je mettrai mes cotons réutilisables à la place. Voilà ce que ça donne. Moi, je trouve ça plutôt pas mal du tout. J'ai ensuite deux choses. Ce grand rangement-là avec plein de compartiments qui est très pratique et que j'aime beaucoup. Et celui que j'ai reçu comme ceci. Ce que j'aimerais beaucoup, c'est avoir en fait un endroit où j'ai tous mes soins regroupés. Là-dedans, ça regroupe pas que ça, ça regroupe mais tellement de trucs différents. Et dans l'idée, j'aimerais beaucoup que celui-là soit pour tout ce qui est soins, mais du côté masque en fait. Masque, ouais, les soins, les masques qu'on applique, que ce soit en tissu ou en liquide, de l'argile, bref, peu importe que ce soit là. Mais que les soins que j'utilise tous les jours, sérum, crème, tonique et tout, ça puisse être là-dedans. Je vais voir si c'est faisable. J'ai un petit peu avancé, du coup j'ai fait ce caisson là et la petite boîte là. Donc dans celui-ci au final j'ai laissé comme je vous avais dit tout ce qui était soin. Là j'ai mis les toners parce que ça rentrait pas du tout dans là et j'aime pas les mettre à l'extérieur, je trouve que ça fait pas propre. Donc les toners, un masque qui ne rentrait que là, des lingettes et vous savez là la chose pour essuyer les pinceaux si on veut utiliser deux fois pour des couleurs différentes. D'ailleurs je vais faire un gros lavage de tous mes pinceaux mais j'ai pas trop la foi parce que c'est toujours très long à faire mais il faut que je le fasse. Au-dessus c'est tout ce qui est pour mains et pieds et mon petit kit manucure. Ici c'est tout ce qui est masque à rincer, j'en ai d'autres, la plupart sont dans la salle de bain. D'ailleurs je vais peut-être certainement les ramener ici, je ferai ça après. Ici c'est des masques qui ne sont pas à rincer, tout ce qui est masque de nuit pour le visage etc. Et au dessus patch pour les yeux, là c'est une cure de 7 jours qu'il faut que je fasse de vitamines. Et là mes deux crèmes que j'utilise tous les jours pour jour et nuit. Et dans cette petite boîte là j'ai donc mis tout ce dont je pouvais me servir tous les jours. Je la trouve vraiment très très belle. On a donc ici mes sérums. D'ailleurs il y a trois sérums ici Iren Skin dont il faut que je vous parle un petit peu plus tard, je vous montrerai tout ça. Donc là c'est les sérums, les huiles, tout ce qui est crème et ici on a un petit peu toner, démaquillant, plusieurs petites choses pour le coup pour le dernier. Donc voilà pour cette boîte. Pour le côté gauche de la coiffeuse, je vais venir prendre ce petit, je ne sais pas comment appeler ça, mais bref, ce petit récipient que je vais venir mettre ici. Je cherche la rose. J'avais un petit décor comme ça, sauf que vous vous doutez, alors en fait c'était un cadeau. C'est un diffuseur, on a ici une rose
qui a une mèche et qui est trempé normalement dans du liquide qu'il y a là-dedans. Moi je l'avais mis, ça sent vraiment très très bon, donc je vais quand même conserver ça si je veux réutiliser. Maintenant pour laisser tout le temps en déco, vous vous doutez comme c'est argenté, c'est un petit peu compliqué. Maintenant comme la rose, vous le savez, j'adore les roses, je trouve ça très joli. Je vais mettre, si vous voyez, donc juste ici, de cette façon là qu'on voit pas le cordon, et je vais mettre mon petit roller. Donc je viens prendre mon roller en jade, donc de chez Jade Roller, et je vais venir juste le poser à côté. Je sais pas si je mets dans ce sens là, peut-être mettre plus dans l'autre serait plus logique. Donc voilà, je vais mettre comme ça. La rose elle est pratiquement de la couleur en fait des éclats rose gold, et le petit roller comme ça, ça évite qu'il traîne un petit peu partout. Il va maintenant avoir sa petite poche, je trouve ça vraiment pas mal. Et j'aimerais bien rajouter cette bougie ici, je ne sais pas trop comment je vais la mettre. Je pense que je vais la mettre comme ça. J'ai ensuite mes deux petites bonbonnes où je mets de l'eau micellaire et du démaquillant dedans. Je vais les repositionner là. Ça, j'hésite à le laisser ouvert en fait. Je suis pas fan de base, mais ça me permettrait de mettre des choses. Parce que par exemple, si je mets des choses au-dessus... Constamment, tous les jours, je vais utiliser ça, donc je vais le lever, je vais devoir enlever, c'est quand même pas pratique. Donc je pense que je vais quand même le laisser ouvert et poser les choses directement là. Je suis venue rajouter le petit porte Beauty Blender, du coup j'ai mis celui de chez Wet n Wild, puisque mon Beauty Blender il a directement, vous le savez, là, la cage pour que je puisse le mettre dans mon sac sans le salir. Mais du coup ça c'est vraiment super pratique. Et maintenant que le dessus de ma coiffeuse semble quand même plutôt bien terminé, ça me plaît vraiment, c'est dans un autre style un peu plus sobre mais qui me ressemble toujours beaucoup. Il y a des pièces que je n'aime plus trop voir, par exemple ces peaux à pince aussi, je les adore, je les trouve trop beaux, mais je sais pas, c'était passé, j'avais plus trop envie de les voir, donc bien évidemment je vais les garder et je pourrais les réutiliser pour autre chose. Mais maintenant que le dessus de la coiffeuse est fait, je vais m'attaquer aux deux colonnes. Voilà le résultat, ça me semble vraiment plutôt pas mal. Alors pour le dessus, rapidement, donc tout ça je vous ai montré, c'est vrai que je trouve que ça fait beaucoup beaucoup plus joli. D'un côté j'ai envie de dire c'est plus sobre, ça fait pas sobre mais il y a moins de rose, moins de voix, c'est plus du gold et je trouve ça beaucoup plus joli. Je vais pas détailler là en vous montrant d'où tout vient, puisque je pense vraiment que quand j'aurai fini toute cette pièce-ci, je vous ferai vraiment un room tour, donc beauty room tour et desk tour en même temps. Tout cela sera bien pour que vous puissiez voir un petit peu le rendu final de la pièce et d'où vient chaque chose. En attendant, tout le reste reste un petit peu à retravailler, et notamment le miroir, là je vais le changer. Mais en tout cas, pour la coiffeuse, j'ai un résultat qui me plaît bien, même au niveau des commodes. Ça fait aussi plus sobre, il y a moins de barioles. J'ai essayé d'un peu plus harmoniser le tout et libérer quand même un petit peu d'espace. Donc en tout cas, pour ça, ça me convient. Et donc maintenant, il ne me reste plus qu'à ranger et à trouver un endroit à tout ce qu'il y a par terre. Il est tout de même un peu plus tard, puisqu'il est pratiquement 19h. Du coup, tout à l'heure, après avoir rangé ici, je me suis posée dans le canapé pour répondre aux commentaires YouTube et j'ai pris un petit goûter. Après ça, j'ai été direction le lit pour reprendre un dossier d'école que du coup, je n'ai pas beaucoup repris puisque j'ai fini par m'endormir. J'étais vraiment au bout du bout, fallait que je dorme. J'arrivais à rien depuis le début de la journée pratiquement. En tout cas, j'avais beaucoup de peine à le faire. Donc je me suis endormie, je me suis réveillée, enfin j'avais mis mon réveil à 18h30. Maintenant je suis habillée pour pouvoir faire mon sport. Je suis en train de vous tourner, ça je vous l'avais dit, un vlog sur un mois de remise en forme. Donc je vais tourner cette vidéo parallèlement et je vous laisserai aller voir ça dans quelques vlogs si ça vous intéresse.
On se retrouve, on est dimanche, il est 11h. Pour le coup, j'ai pas mal dormi, je me suis réveillée à une demi-heure. Ça fait du bien là, quand je sais que je suis trop fatiguée comme ça, je mets pas de réveil parce que sinon j'accumule, voilà, je cherchais le mot, la fatigue, et au final je suis pas du tout productive. Donc bref, je vous prends dès ce matin là pour vous montrer un petit peu les soins que je fais le dimanche matin ou d'autres dimanches. C'est pas forcément le dimanche matin, je fais pas de choses en spécial, il y a juste le week-end. Hier soir, j'ai mis mon masque de nuit là, de chez Polar, Nuit Polaire, où j'essaye de faire bien récupérer ma peau en mettant des choses bien hydratantes. Du coup, là, la première chose que je fais, c'est que je vais passer de l'eau micellaire sur l'ensemble de mon visage pour enlever toutes les impuretés et déjà me réveiller un petit peu aussi. C'est hyper inconfortable pour moi de tourner des vidéos sans mes lunettes, c'est pour ça que je mettais toujours mes lentilles avant, parce que je ne vois plus rien, je suis obligée de mettre mon miroir extrêmement proche, là la caméra je ne vois même plus. Mais bon, on poursuit avec l'étape du sérum, il s'agit des trois petits sérums que je vous ai montré hier quand je rangeais la petite boîte. Il s'agit d'un partenariat rémunéré avec la marque Iren Skin, c'est une marque en fait qui s'inspire du layering japonais, c'est une méthode de soins qu'ils utilisent au Japon, mais en mode un petit peu simplifié. Et on peut en fait se composer notre propre routine de sérum en mixant 3. Moi j'en ai choisi 3, il s'agit du Skin Reboot Antioxydant, du Starlight Brightening, donc qui apporte de la lumière à la peau, et le Keep Calm Soothing, donc qui est vraiment pour calmer et apaiser la peau. On a donc ces trois petits sérums qui se mélangent pour s'appliquer sur le visage. Je suis allée chercher les petites box pour vous montrer comment c'était. C'est très bien fait en fait, on reçoit dans un petit carton comme ça, donc vous l'ouvrez et hop, il apparaît comme ça. Moi je trouve ça vraiment sympa, le packaging c'est simple mais ça amène vraiment toujours un petit plus. Et la chose que j'ai beaucoup aimé, c'est donc que vous le twistez en fait pour l'ouvrir. Et là vous voyez que le capuchon s'ouvre et donc vous tournez encore et c'est des petites pipettes comme ça. Donc en fait au niveau de l'application c'est simple, pour mélanger les trois, bah vous mélangez les trois dans votre main. Et ça permet que si jamais vous n'en utilisez qu'un finalement, et ben vous puissiez en utiliser qu'un et que vous n'êtes pas obligé de tout le temps les mélanger. Donc je les mets au niveau du bout de mes doigts, vous pouvez les mettre à la paume, moi je trouve juste ça un peu moins pratique. Et donc une fois que les trois sont mélangés, j'ai mis un coup de pipette dans les trois. Si j'ai enlevé mes lunettes, ça serait mieux. Vous les appliquez tout simplement sur votre peau comme tout autre sérum. Alors pour le coup, je vous ferai un retour plus poussé plus tard puisque là ça fait quelques jours, une semaine, il me semble que je les teste, donc je peux pas avoir un avis définitif sur le produit, donc je vous en ferai un dans une vidéo un petit peu plus tard. Mais pour l'instant en tout cas, ça fait partie des sérums que j'aime beaucoup parce qu'ils sont bien hydratants, mais pas trop. Ça fait pas vraiment la matière patchy, parce qu'après de toute façon on met un contour des yeux et une crème. Donc là je trouve que c'est vraiment juste comme il faut. Et au niveau des promesses, même s'il rend ma peau très jolie, je peux pas me prononcer puisque au bout d'une semaine, c'est pas suffisant pour un test de ce genre de produit. Et donc au niveau du choix, il y a vraiment d'autres types de sérums, hein, vous le savez. J'ai choisi ces trois-là puisque déjà, le Keep Calm, j'étais obligée parce que j'ai une peau qui est assez réactive, donc pour calmer. Et puis antioxydant et illuminant, je trouve ça aussi pas mal pour mon type de peau. Moi, mon type de peau, c'est normal à sèche. Donc voilà, pour mon avis ça peut vous permettre que ça soit un petit peu plus complet. Donc le lien de l'e-shop il sera en barre d'infos si vous voulez retrouver les produits puis vous faire une petite idée de ce qu'on peut trouver. Mais du coup je pense que ça dure quand même un petit temps parce qu'au niveau de la contenance il y a 15 ml, donc ça fait 45 ml, c'est plus qu'un sérum de base. On poursuit donc avec le contour des yeux, vous le savez. J'utilise souvent l'huile de chez Good Molecules comme ça, qui est très nourrissante mais qui a une teinte un petit peu jaune, donc je la mets pas tout le temps, ça dépend. Et sinon je mixe avec une huile aussi que j'avais, que je mettais plus trop là, de chez Mitchell & Peach, qui est vraiment bien et qui nourrit aussi très très bien. Pour le coup c'est vraiment un grand format, de base c'est pour le visage, hein. Pour les yeux vous en avez clairement pour une éternité. Pour ma crème là, je vais appliquer un échantillon que j'avais eu de chez Origins. Je suis vraiment en train de finir toutes mes crèmes là, en général tous mes produits, j'essaie de les finir là dans ma coiffeuse, donc ça il en reste vraiment un petit peu, je pense que ça va être la dernière utilisation. D'ailleurs j'ai recommencé à accumuler tout ce qui était produit terminé pour pouvoir vous faire une vidéo dans quelques temps. Je vais passer à l'hydratation de mes lèvres, c'est une vraie
Catastrophe. Je vais faire un gommage, je pense, tout à l'heure, mais là, je vais déjà essayer de mettre une bonne couche de baume à lèvres. Pour l'étape soin, c'est bon, on va se diriger vers la chambre pour passer une étape. C'est le seul truc qui me reste un petit peu à faire niveau tri. C'est juste cette étagère-ci avec mes bijoux. Là, c'est clairement le bazar. Hier, j'ai enlevé ce petit truc-là avec trois tiroirs. Je sais pas si vous voyez, qui me servait à rien au niveau de ma pièce make-up. Donc là, je vais voir pour mettre des bijoux dedans. Et je vous ai pas montré ça que j'ai reçu hier. J'avais oublié de vous montrer ça que j'ai reçu dans ma commande Yastali hier. C'est un cintre pour les ceintures là. Je vous parlais de ça depuis je ne sais combien de temps dans mes vidéos. J'en voulais un qui ressemble vraiment à un cintre avec des petits crochets. Mais quand j'ai vu ça sur YesStyle, je me suis dit que j'allais tester. Je vais voir combien je peux en mettre dessus. Je vais déjà mettre celles qui me servent le plus. Bon, et bien écoutez, tout rentre dessus. Ça fait un cintre un petit peu lourd, mais c'est quand même super pratique. Donc je vais le mettre là-haut à la place de l'ancien. Et en fait ça va, c'est quand même super pratique parce que comme ça tourne, vous pouvez toutes les avoir. Si c'est vraiment bien, je vous recommande parce que là j'ai quand même mis pas mal de ceintures. J'en ai mis 2, 4, 6, 8, 10, 12. J'ai mis 12 ceintures. Donc franchement ça je vous recommande, c'était pas cher du tout. Je vais vous dire combien c'était. Alors ce petit crochet était à 3,02€. Et d'ailleurs je vous ai pas montré mais hier j'ai commandé du coup les perles pour mettre dans les pots. J'ai trouvé ça du coup sur Amazon. Moi j'ai pris 1900 perles comme ça. C'est les perles blanches, il y avait différentes couleurs. Et par contre ça va être un petit peu loin la livraison puisque je devrais les recevoir que dans un mois. Du 22 au 31 octobre, donc j'espère que ça ira un peu plus vite. Non mais regardez-moi les deux là qui squattent le lit. Dès qu'on sort du lit et qu'on ouvre la porte, ils sont tous les deux là. Bon, déjà je pense que je vais faire comme hier, je vais tout enlever pour pouvoir remettre parce que là je peux rien bouger tellement que c'est encombré. Voilà ce que ça donne, ça n'aura pas pris longtemps mais c'est tout de même beaucoup 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 mieux. On a ici du coup deux de mes portefeuilles, ma bonbonnière avec tout ce qui est boule de bain, un chouchou, là vraiment tout ce que je peux mettre possiblement tous les jours, donc mes colliers, barrettes et mes fameuses créoles. Ici on a des bagues et des bracelets, là mes lunettes de soleil. Du coup mes boucles d'oreilles, ensuite mes chokers, non c'était mes bracelets là, et tout ce qui est chaîne pour mes pantalons cargo. Et en bas du coup c'est les fameux chokers comme je vous disais, et c'est pas grave que ça ne s'ouvre pas puisque je ne les mets jamais. Ici c'est tout ce qui est boutons de rechange et autres pour mes vestes, pantalons, tout ça. Ici j'ai retrouvé mon pendule, je suis juste trop contente, je le cherchais, là je l'ai enfin retrouvé. Et du coup tout ce qui est montre, et donc moi, et ici Benoît avec bracelet, collier, tout ça. Donc c'est beaucoup mieux. Maintenant que cette étape est faite, que je n'ai plus trop rien à ranger en spécial, et surtout que je vais m'arrêter parce que j'ai beaucoup d'autres choses à faire, je vais me poser. Je pense qu'on va se retrouver pas mal de temps plus tard puisqu'il faut vraiment que je reprenne mon dossier. Là c'est le dernier délai aujourd'hui donc je vais faire tout ça. J'ai pas mal de choses à voir niveau tournage de vidéos, tout ça à programmer pour bien recommencer la semaine. C'est ma dernière semaine à l'école avant de réentamer le boulot. Et du coup je revenais rapidement pour vous faire un retour sur certains tests de produits. Vous le savez, dans les vlogs je vous montre pas mal de produits que je reçois et ça me permet aussi de vous faire rapidement des retours. Pour le coup là c'est deux retours sur deux produits de protection intime. Pour le premier produit, il s'agit d'une culotte de règles de la marque Sisters Republic. J'ai mis beaucoup de temps à tester. Alors vous allez dire, si vous suivez pas mal de vidéos, vous allez dire culotte de règles, Shirley, tu n'as pas tes règles, où est le problème? Donc vous le savez, j'enchaîne mes pilules donc je n'ai pas mes règles. Mais comme je vous disais, moi je mets constamment des protège-slip et je sais que comme toute protection c'est quand même un corps étranger, c'est pas top, il vaut mieux ne rien avoir que d'avoir ça. Et du coup j'ai décidé d'en prendre une vu que la marque m'a contactée par mail, mais en protection light. J'ai vraiment pris la protection la plus légère et la plus fine et du coup je l'ai reçue. Voici à quoi, je sais pas du tout si ça va focus vu que j'ai pas mes lunettes, tout me paraît flou, mais c'est ce modèle-ci.
J'ai donc pris le bikini Sidonie en noir taille S, absorption light. Et franchement, c'est un modèle. Alors, j'ai mis du temps à la tester parce que toutes ces choses-là, moi, dès que c'est nouveau, j'ai du mal à tester. Mais j'ai jamais été autant conquise par un produit intime que par celui-là. C'est juste, alors déjà, d'une part, c'est surtout parce que c'est très, très joli. Vous voyez là les côtés un petit peu transparents comme ça fait très féminin. Sur le derrière, c'est vraiment tanga. Moi, j'aime pas les culottes et j'aime pas les strings. Et là, c'est tanga, donc c'est juste parfait. Donc elle est très féminine. Là, en plus, je sais pas si vous verrez, mais par exemple, j'ai un leggings qui colle quand même assez. Et on voit pas du tout les marques, en fait, au niveau de l'arrière. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très important pour moi. Surtout que je mets constamment des trucs moulants. Donc si on voit les marques de culottes, c'est juste pas possible. Et du coup, au niveau de l'absorption, bon, au niveau des pertes, c'est pas compliqué que ça matche bien parce que c'est pas non plus comme les règles. Donc franchement, ce produit-là, j'ai un code promo d'ailleurs, je vous l'affiche juste ici. Mais sincèrement, certes c'est des produits chers, mais pour le coup, je pense vraiment que je vais m'en prendre de quoi tourner, même si c'est pas sur une semaine, au moins une moitié de semaine. Faudrait que j'essaye de m'en commander 3-4. Je sais qu'il y a des offres sur le site quand on commande 3, 5 et 7, je crois, je ne sais plus. Mais je vais aller voir ça parce que franchement, c'est vraiment une bonne alternative, je trouve. Et du coup, second produit, il s'agit également de protection intime, mais cette fois-ci de la marque Abelia. Marque dont je vous ai parlé, avec qui j'étais en partenariat rémunéré il y a quelques vidéos. Et m'avait donc envoyé un set avec deux protections. Un comme ça, enfin une comme ça qui est protège slip et deux autres qui sont culottes de règles de jour et culottes de règles de nuit. J'ai testé le format protège slip, ma mère a testé, comme je l'avais dit, les deux formats pour les règles et on a le même avis exactement. Ce sont des produits qui, au niveau de l'absorption, il n'y a rien à dire, ils absorbent bien. Par contre, c'est des produits qui sont extrêmement épais, c'est très inconfortable. Donc moi, pour le protège slip, j'oublie, c'est pas du tout top. Pour les règles, ma mère m'a dit que c'est bien si on reste à la maison, mais que c'est trop épais pour quand on sort. Enfin, on a tous cette même phobie que ça se voit à travers les vêtements, et là c'est juste pas possible. Et elle me disait qu'à l'arrière ça pouvait un petit peu se décaler, du coup, parce que ça se met juste avec des clips comme ça en dessous de la culotte. Ça n'adhère pas comme en matière collante avec les serviettes hygiéniques de base. Mais niveau absorption, ils disaient que c'est génial. Mais voilà, on a vraiment ce même point, que c'est quand même pas mal épais. Donc certainement qu'elle s'en servira, puisque comme elle dit, à la maison c'est pas mal. Mais moi, pour ce qui est du protège-slip, malheureusement, je passe. Il est quasiment 21h. Je suis super contente puisque j'ai fini mon dossier entièrement. Je vais l'envoyer demain matin du coup, et à ma maître d'apprentissage et à un autre maître d'atelier en fait à l'école. Donc ça m'enlève déjà une grosse épine du pied et puis je vais pouvoir commencer. On a un atelier là mardi matin pour préparer l'oral qui est vendredi, pas de cette semaine mais de celui d'après. Donc j'ai hâte de pouvoir préparer l'oral pour être prête un maximum au plus vite et pour pouvoir bien m'entraîner. Donc ça c'est très bien. Ensuite j'ai mangé et je suis passée au montage. J'ai donc commencé le montage de mon vlog déco. J'espère qu'il vous aura plu. D'ailleurs vous adorez les vlogs déco. Et comme là c'était le vlog où je changeais de lit, la petite table, tapis, tout ça. Si vous l'avez pas vu, je vous laisse aller le voir, mais j'espère qu'il vous aura plu. Et donc bref, c'en est tout pour ce vlog. J'espère que ça vous aura plu. De base c'était surtout tout ce qui était coiffeuse que je voulais vous montrer. Du coup je vous embarquais dans mon week-end. J'espère donc que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à dire comme d'habitude ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous trouvez les changements plutôt sympas, je pensais pas qu'on pouvait trouver tout ça sur YesStyle, je sais pas si vous le saviez, mais en tout cas c'est plutôt cool. Je vous aurais mis les liens en barre d'infos du site ainsi que du coup de tous les éléments si vous voulez aller les retrouver. Donc bref, voilà pour ça. N'hésitez pas non plus à me laisser un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et à activer la petite cloche des notifications, à me rejoindre sur Instagram. Et moi sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à vendredi pour ma prochaine vidéo et à lundi dans mon prochain vlog. Bye bye.